Sur le quintet de Schumann, la rivière du très beau générique nous conduit vers le petit théâtre d'Alexandre et ses rêves de mise en scène. Il est seul. Il appelle dans le grand appartement étrangement déserté. « Fanny, maman !» Il déambule jusqu'à la chambre de sa grand-mère et se jette sur le lit. Plus tard, Alexandre n'arrive pas à s'endormir, trop attiré par sa lanterne magique. Sa sœur et ses cousins dorment. Il se lève, il craque une allumette pour faire marcher la lampe, il installe son matériel. Fanny se réveille, le rejoint. Il passe les plaques et lit une histoire de revenant, bientôt rejoint par un des cousins. L'autre met un masque et vient surprendre Fanny qui pousse un cri. Alexandre souffle la bougie, chacun se jette sur son lit. Leur mère vient les gronder, ils font semblant de dormir. Elio, Ioannis, Farmer,
Er den Lilia Tieren. Astakas Lila Jane. Stakas Lila Johannis. De vet inte vad som väntar på dem. De är ensamma i surbens under året av drivande död. Föräldrarna är döda och ingen finns därför att försvara dem. Vem akkurdi medan midnatt kommer att ringa. Men vad är den här läskiga formen? Friten i luften när man ser min säng. Jag är rädd. Detta är Elios pug, levande död.